Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Les 7 objets, en tout cas les 7 familles de produits à ne pas mettre la vaisselle avec les explications. C'est parti. Alors les premiers objets à ne pas mettre la vaisselle ou à éviter de mettre la vaisselle, évidemment, les pièces en bois. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles peuvent se décolorer, perdre leur aspect, évidemment. Deuxième chose, elles peuvent se fissurer. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le manche ici. Voilà, cette cuillère suie, elle est véritablement fissurée. Et puis parfois, les cols qui sont dans les manches en bois peuvent s'altérer avec le passage de la vaisselle et simplement le manche peut se défaire. Donc, à éviter les pièces en bois. Alors évidemment, les vases, les pièces d'art, ça c'est un vase en cristal. Évitez de le mettre au lave-vaisselle. Vous allez vraiment définitivement l'abîmer. Troisième pièce à éviter de mettre au lave-vaisselle, les plastiques non thermorésistants. Simplement, ils peuvent se déformer également, s'abîmer, se décoller et se décolorer. Quatrième élément, les éléments en cuivre, en laiton et en plomb. Alors, c'est quoi la conséquence? Simplement, ils peuvent se décolorer et devenir mat. Donc, tout simplement, les abîmer définitivement. Cinquième objet, les pièces décorées, comme ici cette théière qui a été peinte. C'est vrai que ça peut résister au lave-vaisselle, mais peut-être pas au nombre de lavages au fil des ans. Donc, évitez, si vous voulez risquer de ne pas perdre votre dessin, de les mettre au lave-vaisselle. Les verres fragiles, évidemment, ainsi que les verres en cristal, évitez de les mettre au lave-vaisselle. Vous allez également les décolorer, simplement parfois enlever la décoration que vous avez dessus ou vraiment les abîmer définitivement. Donc évitez les verres colorés, les verres qui sont décorés ainsi que les verres en cristal. Dernier élément, les couverts en argent, ça c'est très important. Alors, lavez-les à l'évier si vous pouvez. Si vous devez les laver au lave-vaisselle, ce qui est évidemment important et qui risque de les abîmer, c'est les taches d'humidité qui pourraient rester définitivement dessus. Donc, si vous lavez des couverts en argent, simplement essuyez-les correctement après. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Activez la cloche pour recevoir des notifications. Partagez-la un maximum sur vos réseaux sociaux. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Plus d'infos dans la description. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !